Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test vernis. J'ai reçu il y a quelques temps dans ma commande BIS le Glitter Dust en teinte bleue. Toutes ces paillettes me font un petit peu peur, c'est pour ça que je n'ai pas ouvert et que j'attendais de partager ce moment avec vous. Allez, on est parti! Alors, avant de commencer, j'applique toujours une base sur mes ongles. Je vais attendre que ça sèche et je reviens. Je vais passer à l'application du vernis sur tous mes doigts à part celui-là que je ferai en dernier pour mettre les paillettes uniquement sur celui-là. Je passerai une deuxième couche plus tard parce qu'il me paraît vraiment trop transparent. Au niveau du temps de séchage, ce n'est clairement pas le vernis qui sèche en 30 secondes, je dirais plutôt entre 5 et 10 minutes. Quand vous l'appliquez, soyez sûr d'avoir du temps devant vous. Ensuite, nous allons passer à l'étape des paillettes. Je vais ouvrir mon pot de paillettes directement et je le repasserai en dessous une fois que j'aurai mis mon vernis. Déjà à l'ouverture, il met des paillettes partout. Je viens donc appliquer le vernis sur mon doigt et je viens le tremper dans le pot de paillettes. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et ensuite j'enlèverai l'excédent avec la petite brosse qui est fournie avec. Je viens déjà brosser le tour pour enlever l'excédent. Comme vous pouvez le voir, ça en met quand même partout. On perd énormément de matière et ça, c'est vraiment dommage. Alors voilà, cela fait 5 minutes que mon vernis a séché. Je viens donc avec le petit pinceau enlever l'excédent de paillettes. Et voilà, je vous poste tout de suite une photo de ma main complète. Alors voilà, donc j'ai terminé ma manucure il y a de cela 10 minutes. Et déjà, je me rends compte que je me mets des paillettes partout, dans les cheveux, autour du visage, tout ça. Alors je me dis que ce soir, en faisant ma vaisselle, à mon avis, il n'y aura plus rien. Ensuite, je pense qu'une fois que vous avez mis le vernis, jouez la mode grosse loque, parce que si vous faites la vaisselle, que vous mettez les mains n'importe où, vous aurez des paillettes et franchement, non, zéro. Imaginez, vous faites de la bouffe, genre un steak et vous mettez des paillettes dessus. Ah, mais c'est sale! Ouais. Ouais, c'est sale. Je vous tiendrai bien sûr au courant dans les barres d'infos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!